Suite aux différents événements qui sont déroulés en Palestine ces derniers temps, il y a beaucoup de juifs sur Internet qui prétendent que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qui a affirmé que la terre de Palestine, c'était le droit des juifs exclusivement. Ils disent, c'est écrit dans le Coran, la terre de Palestine, elle nous est promise, taisez-vous. Vous savez quoi? Pour répondre à ce que vous avez dit, aujourd'hui, je vais utiliser un seul bras. Sur le bras restant, je vais me servir que d'un seul doigt. Je vais rester exclusivement dans la sourate que vous avez citée. Je ne sors pas de la sourate 5. Sourate 5, verset numéro 1. « Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. » Toute personne qui ne respectera pas l'engagement avec Allah, alors qu'il sache qu'Allah ne respectera pas non plus son engagement. Ça veut dire que la terre promise, elle a été donnée pour les enfants d'Israël sous couvert de leur obéissance. Et étant donné que les enfants d'Israël n'ont pas suivi les clauses de l'Alliance, la terre promise leur a été retirée. Sourate 5, verset numéro 2. « La haine pour un peuple ne doit pas nous inciter à transgresser, à être injuste. » Est-ce que vous voulez réellement qu'on parle de tout ce qui se passe en Palestine actuellement? Sourate 5, verset numéro 3, « Waladitu lakum l'islam adina. » Moïse, que la paix divine soit sur lui, dans le Coran, c'est un musulman. Et tous les croyants à l'époque de Moïse, que la paix divine soit sur lui, étaient eux aussi des musulmans. Ça veut donc dire que les gens auxquels la terre promise a été donnée dans la sourate 5, verset numéro 21, c'était des musulmans. Sourate 5, verset numéro 8, Allah, il répète une seconde fois que la haine pour un peuple ne doit pas nous inciter à transgresser, à être injuste. Sourate 5, verset numéro 12, Allah, il dit qu'il a pris un engagement avec les enfants d'Israël et qu'il a mis 12 chefs parmi eux. Et il leur a dit qu'il était avec eux à condition de faire la prière, de donner l'aumône et de croire en ses messagers. Mais parmi les messagers auxquels Allah a ordonné de croire aux enfants d'Israël, il y a Jésus, que la paix divine soit sur lui, dont Allah parle dans la sourate 5, verset 17, dans la sourate 5, verset 46, dans la sourate 5, verset numéro 47, dans la sourate 5, verset numéro 66, dans la sourate 5, verset numéro 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Et en fait, tous ces versets-là, vous les avez mis sur le côté. Sourate 5, verset numéro 13, Allah, il explique que les enfants d'Israël ont rompu l'engagement. Et c'est justement cette rupture de l'engagement qui a entraîné la malédiction. فَبِمَا نَقَدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Vous savez, c'est Dieu et tout qui modifie les textes, d'accord? C'est des gens, ils changent la vérité et c'est ce qu'on est en train de voir. Vous n'êtes qu'en train de confirmer que 15 siècles après, les faits sont toujours les mêmes. Sourate 5, verset numéro 14, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des Nasara, ceux qui ont suivi Jésus, que la paix divine soit sur lui, alors que Jésus, c'est un prophète auquel aucun de vous ne croyait, n'est-ce pas? Sourate 5, verset numéro 15, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux juifs et aux chrétiens en leur disant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à eux, donc qu'ils doivent le croire. Donc deux choses, vous devez croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été annoncé dans votre texte. Et la seconde des choses, c'est que Allah azza wa jal, il mentionne qu'il y a des gens qui ont caché la vérité dans votre communauté, notamment sur les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 5, verset numéro 16, Allah azza wa jal, il fait des éloges du Coran et que justement toute personne qui cherche un agrément doit le suivre. Êtes-vous de ceux qui ont décidé de suivre le Coran pour obtenir l'agrément du Tout-Puissant? Sourate 5, verset numéro 17, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Jésus, que la paix divine soit sur lui, et il mentionne que c'est le Messie. Un Messie auquel vous ne croyez absolument pas. Sourate 5, verset numéro 18, vous en fait, vous allez considérer que rien ni personne ne peut vous toucher. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Il dit que même si vous considérez que vous êtes les plus élus, etc., il peut quand même vous sanctionner pour vos péchés. Ça veut donc dire que s'il y a des alliances qui vous ont été données, s'il y a des obéissances, l'alliance sera retirée, caduque et obsolète. Sourate 5, verset numéro 19, « Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, ala fatrati min al-rusuli, an taqulu ma ja'ana min bashirin, wa la nadhir. » Allah Azza wa Jal, il revient, comme dans le verset numéro 15, en disant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a été envoyé et que vous devez le croire. Alors que vous, en fait, vous considérez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement été envoyé pour les Arabes, indépendamment de vous. Tous les versets que j'ai mentionnés, vous en parlez jamais. Sourate 5, verset numéro 20, « Wa idh qala Musa li qawmihi, ya qawmi idhkuru ni'matallahi 'alaykum. » Donc Moïse, que la paix divine soit sur lui, qui est un prophète musulman, lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël, qui étaient aussi un peuple de croyants musulmans, comme dans la sourate 5, verset numéro 69, d'après le texte du Coran, dans la sourate 5, verset numéro 3. Il leur a dit, rappelez-vous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné, lorsqu'il vous a envoyé des prophètes. Combien de prophètes parmi les enfants d'Israël ont été tués? Combien ont été combattus et démentis? Ce qui a poussé certains parmi les prophètes qui ont été envoyés pour les enfants d'Israël à maudire une catégorie des enfants d'Israël. Ce qu'on va retrouver dans la sourate 5, verset numéro 78 et 79. Et même Moïse, que la paix divine soit sur lui, s'est plaint de son peuple dans la même sourate que vous avez citée, dans la sourate 5, verset numéro 25, et on va venir, Inch'Allah, bi'ithina azzawajal. Il dira la fikum anbiya wa dira lakum mulukan wa a'atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Mais ça, c'est une élection temporaire, conditionné avec des clauses à observer et respecter. Là, maintenant, on va rentrer dans le verset numéro 21 que vous avez cité. Mais avant d'arriver au verset numéro 21, vous n'avez pas parlé du verset 1, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
mais vous allez arriver avec le verset 21. Ça vous rappelle pas ce qu'Allah a dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 5, verset numéro 13 ? Yuhadrifuna al-kalima min ba'di ma wa'adihi. Donc dans la sourate 5, verset numéro 21, qu'est-ce que le texte dit ? Ya qaumi, le peuple de Moïse, qui sont des musulmans, ya qaumi tulu al-ardha muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Mais ça, c'est une promesse qui est conditionnée. Tant que les enfants d'Israël respectent les clauses, la terre leur est promise. Avec la sourate 5, verset numéro 12. À partir du moment où les enfants d'Israël n'ont pas respecté cette clause, forcément, la terre leur a été retirée. Mais quand on va regarder les versets 22, 23, 24, les enfants d'Israël, ils ont refusé de combattre pour obtenir cette terre-là. D'accord ? C'est pour ça que Moïse, que la paix divine soit sur lui, il a entendu une parole sidérante dans la sourate que vous avez citée. « Qalou ya Moussa, inna lenna dekhulaha abadam madamu fiha » فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَا هُنَا قَاعِدُونَ. Ils ont dit, va combattre toi et ton Seigneur et nous on reste là. Que juste après Moïse il s'est plaint d'eux. Et ensuite Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? أَقَلَفَ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَا يَتِهُونَ فِي الْأَرْضِ. Qui prouve que cette terre-là qui a été promise dans la sourate 5 verset numéro 21, en cas de désobéissance, elle peut devenir interdite. Regardez comment ça va rapidement. Sourate 5 verset 21. Mais vous ne parlez pas des versets 22, 23, 24, 25 et 26. Dans le verset numéro 26, Allah il dit « Qala fa innaha muharramatun alayhim arba'ina sana ». La terre, elle a été rendue interdite, illicite pendant 40 ans pour cause de désobéissance. D'accord ? Ça veut dire que même si la terre, elle est promise en cas de désobéissance, Allah il peut vous en priver, subhanahu wa ta'ala. Sourate 5, verset numéro 32, un verset qui vous concerne directement. « Min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakanna qatala an-nafs jami'a. » Allah dit que il vous a prescrit pour les enfants d'Israël que le fait de tuer une seule âme de manière injuste, ça équivaut à avoir tué tout le monde. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle du nombre de morts injustes et innocentes, des femmes, des hommes, des personnes âgées, les faibles, les gens vulnérables, etc., alors que dans votre législation, tuer une seule personne, ça équivaut à avoir tué tout le monde. Et ça, c'est toujours dans la même sourate que vous avez citée. Dans la sourate 5, verset numéro 36, Allah Azza wa Jal, il indique que les gens qui ne croient pas ni au Coran, ni au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien ni personne qui pourra les sauver le jour de la résurrection. Même s'ils sont descendants de un tel, qu'ils avaient tel livre, etc., ça ne sera d'aucune utilité le jour de la résurrection. Sourate 5, verset numéro 40, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire « Moi j'ai telle promesse, la promesse elle reste, personne ne pourra me toucher, personne ne pourra m'enlever quoi que ce soit, c'est Allah Azza wa Jal qui décide, qui donne ou qui reprend, subhanahu wa ta'ala. » Dans la sourate 5, verset numéro 41, 42, 43, Allah, il parle justement d'un groupe des enfants d'Israël à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont voulu faire une petite ruse et qui ont voulu insérer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette supercherie. Dans la sourate 5, verset numéro 44, Allah il dit « Bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada ». Allah il explique subhanahu wa ta'ala qu'il vous a confié la garde de la Torah. Ça veut dire que ce livre-là, c'était à vos anciens de le préserver et d'en assurer la sauvegarde. Et ce dépôt-là n'a pas été préservé, et vous le savez très bien, le seul livre protégé, garanti et sauvegardé par Allah, c'est le texte du Coran. Sourate 5, verset numéro 46, puisqu'on continue dans la sourate que vous avez citée, Allah Azza wa Jal, il parle du fait qu'il a envoyé Jésus, qui lui a donné l'évangile pour venir confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Mais vous, vous n'y croyez absolument pas, ni en Jésus, ni en ses miracles. Dans la sourate 5, verset numéro 47, Allah dit « Walihkum ahlul injil bima anzalallahu fi ». Allah, il appelle justement les gens qui se revendiquent de l'évangile, les gens dont il parle dans la sourate 5, verset numéro 14, et dont il va reparler dans la sourate 5, verset numéro 82, 83, 84, il les appelle à juger en fonction de l'évangile un texte auquel vous-même ne croyez absolument pas. Sourate 5, verset numéro 48, Allah Azza wa Jal, il parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un prophète qui est annoncé dans votre livre auquel vous ne croyez pas, qu'il a fait descendre le Coran, un livre auquel vous ne croyez absolument pas, et que ce Coran, il est quoi ? Wa muhaiminan alayhi. Et que le Coran, il vient pour prévaloir sur la Torah et sur l'Évangile. Vous continuez à vous amuser à utiliser la sourate numéro 5. Sourate 5, verset numéro 49, Allah Azza wa Jal, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger en fonction du Coran et de ne pas suivre justement les passions des gens du livre. Sourate 5, verset numéro 60 et 61, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle justement d'une partie des anciens parmi les enfants d'Israël qui avaient adoré le Tarout, etc. et qui avaient dévié du droit chemin. Toujours dans la même sourate que vous citez. Sourate 5, verset numéro 63, Allah Azza wa Jal, il blâme, il critique une partie des rabbins, pas tout le monde, mais une partie des rabbins qui restaient silencieux par rapport aux désobéissances qu'il y avait parmi les enfants d'Israël et le silence coupable. Sourate 5, verset numéro 64, Allah Azza wa Jal, il parle d'une partie des enfants d'Israël de l'époque qui avaient insinué qu'Allah subhanahu wa ta'ala était avare. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle justement de la rébellion de certains parmi les enfants d'Israël lorsqu'il y a eu la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à chaque fois qu'ils voulaient déclarer une guerre,
ce qui se passe encore aujourd'hui, Allah Azzawajal, eh ben, il avait mis fin à cette guerre-là. Ça, c'est encore dans la sourate 5 que vous avez citée. Dans la sourate 5, versets 65 et 66, Allah il rappelle aux gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, que s'ils avaient respecté la Torah et l'Évangile, eh ben, ils auraient beaucoup de faveur et beaucoup de grâce de la part du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Mais qu'il fallait suivre l'Évangile aussi, un livre que vous ne croyez absolument pas, car il a été apporté par un prophète que vous rejetez en bloc aujourd'hui. Sourate 5, verset numéro 67, Allah Azza wa Jal, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que les gens, justement, juifs comme chrétiens, doivent suivre son message. Sourate 5, verset numéro 68, pour être sur quelque chose de concret, il faut suivre la Torah, l'Évangile, et le Coran. Et vous, en fait, vous ne croyez ni au Coran, ni à l'Évangile, ni en Mohammed, ni en Jésus, mais vous continuez à utiliser la sourate numéro 5. Sourate 5, verset numéro 69, Allah Azza wa Jalla, il parle de la communauté musulmane, la communauté de Jésus et de la communauté de Moïse. Mais les gens qui ont suivi Moïse dans la sourate 5, verset numéro 69, c'était eux aussi des musulmans, dans la sourate 5, verset 3. Donc les gens auxquels la terre promise a été donnée, c'était des musulmans. C'est des descendants d'Israël, il n'y a pas de souci, mais leur religion, c'était l'islam, parce que Israël, Jacob, que la paix divine soit sur lui, dans le texte du Coran, c'est un musulman comme tous les autres prophètes dans le Coran. Jamais vous ne pourrez utiliser la sourate 5, verset numéro 21, en oubliant le verset 69 et en oubliant le verset 3. La sourate 5, verset numéro 70, Allah Azza wa Jalla, il parle du fait qu'il a pris l'engagement des enfants d'Israël et qu'il a envoyé des messagers. Certains ont été tués et certains ont été démentis. Sourate 5, verset numéro 71, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils considéraient que rien n'allait leur arriver, pas de sanctions, pas de châtiments, etc. Comme dans la sourate 5, verset numéro 18. Et c'est pour ça que vous vous permettez d'utiliser la sourate 5, verset 21, parce que vous pensez que quoi que vous allez faire, cette terre-là va vous être donnée, et ce qui est faux dans la Torah et dans le texte du Coran. Sourate 5, verset numéro 72, Allah il parle de Jésus et que c'est un véritable prophète qui a prêché la vérité, mais vous ne croyez pas en Jésus, que la paix divine soit sur lui. Et pourtant, c'est encore dans la sourate 5. Sourate 5, verset numéro 75, Allah Azza wa Jal, il redit que Jésus, c'est le véritable Messie qui vous a été promis. Il défend l'honneur de sa mère en disant que c'est une véridique, alors que certains parmi vous, vous avez insinué que c'était une prostituée qui avait commis la fornication. Sourate 5, verset numéro 78, Allah Azza wa Jal, il explique qu'il y a des gens parmi les enfants d'Israël qui ont été maudits par Jésus, que la paix divine soit sur lui, ça se retrouve dans la Bible, également par David, que la paix divine soit sur lui, et la raison, elle a été donnée dans la sourate 5, verset numéro 79. On continue, on redescend. Sourate 5, verset numéro 83, Allah Azza wa Jal, il fait les éloges des gens qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils trouvaient sa prophétie écrite dans leur texte. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là ou pas? C'est bizarre parce que c'est toujours dans la même sourate que vous avez citée. Sourate 5, verset 83, 84, 85. Dans la sourate 5, verset numéro 92, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique clairement que les gens qui ne croient pas en son prophète, enfin en ses prophètes de manière générale, ou bien en ses révélations, c'est des gens qui iront tout droit en enfer. Peu importe le passé, peu importe la lignée, peu importe la descendance. Sourate 5, verset numéro 110, Allah Azza wa Jal, il parle du fait qu'il a envoyé Jésus, qu'il l'a honoré avec des miracles, des prodiges, etc., etc., et qu'il l'a protégé contre les enfants d'Israël qui ont essayé de lui faire du mal. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il parle du miracle de la table servie. Dans la sourate 5, verset numéro 113, 114, 115, un miracle auquel vous ne croyez bien évidemment pas. Et la sourate 5, verset numéro 116 et 117, Allah Azza wa Jal, il parle du fait que Jésus témoignera contre les gens de son peuple et les enfants d'Israël. Si on résume, vous avez cité la sourate 5, verset numéro 1. En oubliant le verset 1, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36, le verset 41, 42, 43, 44, d'accord ? 45 aussi, j'aurais pu l'utiliser. 46, 47, 48, 49, je peux même rajouter le verset 50, 51, le verset 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 92, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Mais comment vous osez rentrer dans le Meïda ? C'est-à-dire quasiment un verset sur deux est contre vous. Et vous êtes en train de nous dire, oui, regardez dans la sourate 5. Mais est-ce qu'en fait, on ne se retrouve pas dans la sourate 5, verset numéro 13, يُحَلِّفُنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَضِعِهِ. En fait, vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais 15 siècles après, c'est toujours la même chose. يُحَلِّفُنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَضِعِهِ. Jouer avec les textes, isoler les textes, cacher la vérité, etc. Isoler un texte, c'est la même chose. Depuis l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque. Pour finir, je disais,
Dans le texte du Coran, vous n'avez aucune chance. Je le dis et je le redis. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir dans le Coran et vous ne mettrez aucun étudiant de chez nous à terre dans le Coran et le Karim. Toutes les ambiguïtés que vous allez apporter dans le Coran, Wallahi l'Azim, bi'ivnillah azza wa jal, on apportera toujours la réponse.